On dit souvent un schéma vaut mieux qu'un long discours. Et en fait, on se rend compte que dans l'ingénierie, les gens font des kilomètres de papier pour expliquer des spécifications, des cahiers des charges, avec beaucoup d'incohérence et beaucoup de lourdeur. Bah, nos outils, c'est reprendre ce principe de schéma, donc de schématiser l'information selon un formalisme qui est propre à l'entreprise pour que ce soit très facile à faire, donc c'est très visuel. Mais on peut outiller ça, valider la cohérence, générer des choses à partir de ça. Et du coup, c'est quelque chose qui permet de mieux communiquer et tout simplement mieux travailler, plus efficacement. OBO, c'est une société d'édition logicielle open source qui développe des outils de modélisation sur mesure pour les clients. On est très impliqué dans la fondation Eclipse, dans laquelle on est, dans, on dirait à peu près, le quatrième plus gros contributeur au monde. Et on fait des outils donc, pour des grandes catégories d'utilisateurs qui sont les architectes d'entreprise, les ingénieurs systèmes qui font de l'aéronautique ou de l'industrie, et les développeurs. Donc on a depuis plusieurs années une activité déjà ici au Canada. Nos technologies étant open source, étant dans une grande communauté, sont déjà diffusées mondialement et notamment en Amérique du Nord. Donc mon objectif a été déjà de créer ici une implémentation commerciale par l'embauche d'un jeune ingénieur qui développe l'activité en le faisant en partenariat avec une société locale qui est Savoir-Faire Linux, qui apporte la complémentarité du service sur de l'open source et qui a les contacts, qui est déjà immergé dans les réseaux, et nous qui venons avec une approche originale de la modélisation. Et donc l'objectif pour moi, c'est que ça, c'est que ce n'est qu'un premier pas, c'est de s'implémenter réellement ici au Canada et à plus large échelle en Amérique du Nord.